Beaucoup d'entre nous mangent du riz, des pâtes, des céréales et du pain tous les jours. Mais combien de produits céréaliers devriez-vous manger chaque jour? Et combien devraient être des grains entiers? Le Guide alimentaire canadien recommande de 6 à 8 portions par jour, tout dépendant de votre âge et si vous êtes un homme ou une femme. Ça peut sembler beaucoup, mais en réalité, une portion du Guide alimentaire est assez petite. La plupart d'entre nous pourraient deviner qu'une tranche de pain ou une petite crêpe est une portion. Mais vous seriez surpris de savoir que seulement un demi-bagel, rôti, tortilla ou pita est une portion du guide alimentaire. Et si vous aimez le pain naan, un quart de pain naan est une portion du guide alimentaire. Alors que dire du riz, des pâtes, du couscous et du congee? C'est une demi-tasse de produits cuits. Même le maïs soufflé nature compte. Deux tasses est une portion du guide alimentaire. Comme vous le voyez, les portions peuvent s'accumuler facilement dans le courant de la journée. Et n'oubliez pas que peu importe le type de produit céréalier que vous aimez, choisissez la moitié de vos produits céréaliers à base de grains entiers, comme le pain de grains entiers ou le riz brun. Pour obtenir gratuitement des conseils auxquels vous pouvez avoir confiance sur les aliments et la nutrition, appelez un ou une diététiste professionnelle de Saine Alimentation Ontario.